nous allons maintenant, dans cet épisode, parler des fonctions. Et avant de commencer, assurez-vous que vous avez très bien lancé WAMP et que son icône est devenue verte, ou si vous utilisez autre chose, rassurez-vous que le serveur est bien démarré. Donc, je disais que nous allons parler des fonctions. C'est quoi exactement une fonction? De façon simple, une fonction, c'est une série d'instructions qui effectue des actions et qui retourne ou affiche une valeur. On va prendre un exemple de la vie réelle. Prenons par exemple une moto. Pour démarrer, vous n'avez qu'à appuyer sur le démarreur et vous attendez que la moto démarre. Donc, vous envoyez un signal en appuyant sur le bouton et vous attendez le résultat qui est le démarrage de la moto, sans savoir tout ce qui se passe entre le temps que vous appuyez sur le bouton et le démarrage de votre moto. Et c'est exactement comme cela que les fonctions opèrent. Après leur création, nous allons transmettre un signal que nous allons appeler dans notre contexte les arguments, puis on attend le résultat. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Nous allons, dans cette partie, prendre des exemples des fonctions qui existent déjà dans PHP et dans l'épisode futur, dans le prochain épisode plutôt, nous allons créer nos propres fonctions. Donc, on va revenir dans le code et là, nous allons voir quelles sont les fonctions qui existent déjà. On va les utiliser. Par exemple, je vais d'abord déclarer une variable que je vais appeler par exemple chaîne et dans laquelle je vais mettre une chaîne de caractères. Donc, je vais écrire ici, je suis un geek, comme ça, et je mets point virgule. J'aimerais maintenant savoir quel est le nombre de caractères contenus dans ma chaîne de caractères qui est je suis un geek. PHP a déjà prévu une fonction. Donc, tout ce que moi j'ai à faire, c'est d'appeler la fonction et lui passer le nom de la variable qui contient la chaîne de caractères et la fonction va me retourner le nombre de caractères. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais directement afficher cette valeur-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire echo, c'est quoi le nom de la fonction? C'est strlen, c'est-à-dire string length. Donc strlen, string length, entre parenthèses. Donc je dois envoyer le signal et le signal que j'appelle argument en programmation maintenant. Donc ici, c'est quoi le signal? C'est le nom de la variable qui contient la chaîne de caractères et je mets point virgule. Donc avec ceci maintenant, j'aurai le nombre de caractères que compose ma chaîne. Donc, on va aller voir le résultat, toujours en tapant localhost suivi du nom du dossier. Après, vous mettez le nom de fichier PHP, vous exécutez. Et là, vous avez 15 qui s'affichent. Donc, ça veut dire que ma chaîne de caractères, d'accord, ma chaîne ou ma variable chaîne a 15 caractères. Et si nous comptons aussi, on va voir que ça fait 15 caractères. Ça fait 1, 2, 3. Les espaces aussi font partie du nombre des caractères. D'accord? Font partie des caractères plutôt. Donc, il faut compter aussi l'espace. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs fonctions. Il y a plusieurs fonctions. Voilà que j'ai affiché mon test, ou bien j'ai écrit mon test, par exemple, en minuscule. Dès que dans l'autre affichage, j'aimerais que tout le test soit en majuscule, par exemple. Donc, on a une autre fonction qui est le str tout à part. Et si je sauvegarde et puis j'actualise, voilà, ça me transforme tout le test en majuscule. Ouais. Donc, moi, j'ai juste appelé la fonction et puis je l'ai passé un argument qui est ici la variable chaîne. Et derrière, tout ce qui va se passer pour avoir le résultat en majuscule, ce n'est plus mon problème. Donc, dans la prochaine épisode, ce que nous aussi nous allons faire, c'est d'écrire nos propres fonctions et de dire, OK, voilà ce que tu as besoin comme signal, voilà le traitement que tu auras à faire avec, et voilà le résultat que tu dois retourner. Et là, dans la suite, on va juste appeler cette fonction, balancer un signal qui est un argument, et puis s'attendre tout simplement à un résultat.